les potos, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 2 pour un petit changement. Voilà, j'avais envie de changer, j'avais envie de vous proposer autre chose que des informations ou autres sur GTA V. Alors vous êtes nombreux à me demander de faire autre chose sur ma chaîne de ce genre de vidéo. Donc du coup voilà, on va se faire un petit kiff, on va se faire une petite partie de Call of. Hein. Vous le voyez, il est 3h30 du matin. Voilà, une petite partie de Call of, tranquillou. Je vais mettre le groupe d'amis sur un vide, comme ça on ne sera pas dérangé. Mais bon, à 3h30 du matin, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde de connecté. Il y a combien? Il y a 11 amis qui sont connectés, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve sur la map Résistance en Domination. Alors je sais pas si je vais faire une ou deux ou trois ou quatre parties, je ne sais pas. Peut-être que je les ferai en différé et que je ferai plusieurs parties d'affilée. On verra bien. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et que, bref, c'est un commentary clair, net et sympa hein, pour changer un peu de GTA. Il n'y a pas de thème précis. Alors j'ai préféré pour ce premier gameplay. Jouer à l'ACR 6.5 il me semble, 6.8, 6.8 voilà, à l'ACR 6.8 avec, bah voilà, tout simplement, on va pas se casser la tête, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué à Call of Duty, parce que vous le savez que je joue énormément à GTA V. Alors mon shoot a énormément baissé, donc faut pas m'en vouloir. Putain. Mon shoot a énormément baissé, contrairement à ceux qui regardaient mes vidéos quand je faisais sur Call of Duty Black Ops 2 ou autre, etc. Mon shoot a beaucoup baissé, donc voilà, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que je ferai une mob en live, hein, qui sait, mais ça m'étonnerait. On verra bien par la suite. Peut-être que je vous ferai une petite partie de sniper, tranquillou, en mode poseille, juste après. Pourquoi je me tape une assistance? Je trouve ça lamentable, je trouve ça dégueulasse, c'est moi qui m'ai tiré dessus, c'est moi qui ai failli mourir. Je trouve ça dégueulasse! Laissez-moi gagner des points. Bon, au moins vous sortir une petite série de victimes du genre hélicoptère de combat, voire le Pavlo. Bon, ma première partie que j'ai fait, c'est-à-dire il y a à peu près 45 minutes, je crois, j'ai quand même réussi à ressortir le petit hélicoptère de combat. Ça fait plaisir, on va pas se le cacher, sortir un petit hélicoptère. Hop, putain, la grenade. Un petit hélicoptère de combat, alors que ça fait très longtemps que vous n'avez pas joué à un jeu. Sachez que ça fait vraiment super plaisir, c'est comme si vous remettiez d'un seul coup à jouer à, je sais pas, à Call of Duty Modern Warfare 2 et que dès la première partie vous faisiez directement une MOAB. Je pense que ça fait vraiment vraiment plaisir de savoir qu'on a toujours un même niveau et on a toujours le même shoot sur le jeu. Là je viens de débloquer mon missile Predator. Attention, c'est du lourd, on est prêt pour la MOAB. Alors où est-ce qu'il y est? Oh, il y en a deux ici, les petits coquins. Voilà, donc mon hélicoptère de combat qui va faire le reste, peut-être le Pavlo. On tente le Pavlo. Bon, même si je gagne mes séries de victimes, je vais pas vous le cacher, je déteste rester dans le coin. Je préfère vraiment aller au combat, quitte à mourir, mais au moins quitte à mourir dignement, avec honneur, entre guillemets. Oh, il y a le sniper, il y a la grenade. On est des thugs et on passe, nous. Voilà, on a gagné des points. Plusieurs personnes seraient restées dans leur coin, attendre que l'hélicoptère fasse tout simplement les kills, etc. Personnellement, j'aime pas ça, j'aime pas ce style de jeu. Je trouve que c'est un peu gâché de laisser un hélicoptère faire le travail alors qu'on peut très bien le faire. Au moins, si on fait cela, on a vraiment, entre guillemets, le mérite d'avoir sa série de victimes. Je sais pas s'il y en a qui sont du même style que moi. Là, je viens de débloquer mon Pavlo en live. En plus, c'est génial, il est 3h30 du matin. C'est excellent. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, je pense que vous, dans la majorité des cas, vous êtes du genre à faire votre hélicoptère de combat et le laisser finir le boulot. Moi, personnellement, ça m'arrive de le faire peut-être quand je suis vraiment à la dernière des séries de victimes de ouf. Peut-être que je le fais, mais c'est vraiment au cas d'extrême recours. Bon, là, la game va bugger parce que, je ne sais pas, il y a sûrement un rageux qui a quitté, c'est génial. J'aimerais. Et voilà. Voilà comment on perd sur ce jeu. C'est du grand n'importe quoi. Voilà comment on peut se faire tuer. Et comment on peut tout simplement perdre une série de victimes. Je vous jure, y a beaucoup de personnes qui auraient chié, qui auraient gueulé. Surtout quand j'étais avec ma série. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai quand même réussi à la finir. Par contre, là. Excusez-moi. Si j'aurais pas eu le temps de terminer ma série et qu'il y aurait eu ce bug. Je veux pas vous cacher, j'aurais vraiment gueulé.
J'aurais pas été jusqu'à quitter la partie non plus, mais ça m'aurait bien fait chier. Je pense que ça aurait fait chier énormément de personnes. Bon, Pablo est en train quand même de faire un beau carnage, c'est plutôt pas mal. On va regarder un peu mon score, je fais du 18-3. Un score plutôt pas mal, toi je t'ai vu le sniper. Un score plutôt pas mal, 18-3. C'est convenable, on va dire. C'est pas un score lamentable non plus. Bon, là je fais du 21-5, mais il fallait que je parle pour faire un. Toi tu me tues pas trois fois d'affilée, hein. Ça suffit. Oh. Oh, il y a le sniper là-haut. Oui! Oui! Oui, je t'ai eu. On va prendre une arme parce que je suis généralement à court de balles et ça c'est chiant. Ils mettent pas assez de balles, bah à limite ils pourraient mettre des balles illimitées. Hein. Ce serait peut-être mieux. Bon après vous me direz, il y a des séries de victimes, des atouts qui serviraient un peu à rien, du genre pillard, mais à la limite vous retirez pillard, vous nous mettez munitions illimitées, au moins on est tranquille, on est posé, on n'a pas besoin de s'enquiquiner à chaque fois récupérer des balles. Bon là je sens qu'il va y avoir des ennemis. Ouais. Ok, d'accord, il n'y a personne. Vous voyez, regarde, là, j'ai déjà plus de balles. Pourtant, j'ai un de mourir, bah de, bah, je viens de me réanimer il n'y a pas très longtemps de cela. J'ai déjà plus de balles, c'est relativement chiant sur Call of. Un deuxième missile Predator, peut-être le double Pavlo dans la même partie. Attention, attention. Bon, il faudrait que j'essaye de faire. Non, je l'ai pas eu. C'est pas grave, là, il y a mon copain qui vient de passer, je l'ai vu. Je voulais pas le tuer parce que je savais que j'allais pouvoir le tuer en revenant sur la map. Et merde, j'ai raté mon petit kill. Fais chier. Je l'avais pas vu derrière le camion. Parce que là, je joue même pas avec mon casque. J'entends. Je peux pas vous le cacher, j'entends même pas le son du jeu. Bah, je l'entends limite limite avec ma télé. Mais sinon, j'ai le casque directement du commentary qui est relié à mon PC. J'ai même pas le son du jeu. C'est assez perturbant de jouer sans le jeu. Je sais pas, il y en a qui aiment bien jouer sans le jeu, genre pour jouer en secret quand les parents ils veulent pas qu'on joue, etc. Moi personnellement, jouer sans le son c'est assez horrible. Parce qu'on n'a pas la sensation d'être vraiment dans le jeu. Même qu'on n'ait pas un casque du genre Triton, Astro ou même un Turtle Beach, hein, je parle juste le fait de pouvoir entendre un minimum de son. Je savais pas où est-ce qu'il était. Je savais qu'il y en avait un, mais je l'avais pas. Je savais pas où est-ce qu'il était. En fait, on jouait à cache-cache tous les deux. Vous avez déjà joué à cache-cache avec des joueurs? Moi, oui. La preuve. Coucou! Non! Oui, c'est bon, je l'ai eu. Bon, j'ai acheté ma grenade pour rien, mais. Alors. Bon, en fait, je sais même pas quoi dire. On va rusher. Comment dire? On rush, comme diraient les gens. Même des fois, quand tu rushes et que tu dis que tu rushes, les gens disent que tu campes. La campouse. Ça, c'est des expressions à l'ancienne que je disais avec mes potes quand je jouais et tout. En plus, il y avait une musique que j'ai connue sur un W3 avec un pote. Bon, je pense pas que ça soit la meilleure musique du monde, hein, parce que étant donné qu'elle parle de weed, etc. Mais bon, ah putain, je pensais pouvoir switcher avec mon arme secondaire et faire le petit jump double saut. On a tous déjà essayé de faire ça, c'est-à-dire. Il me tire dessus, je saute, j'accroupis, je saute, je raccroupis, je fais double Y et voilà. Et au final, il n'y a absolument rien parce que le mec arrive toujours à nous tuer. Et ça, c'est. Bah, c'est bien en fait. Bah, ça dépend pour qui c'est bien, mais pour la personne qui se fait tuer, c'est moins bien. Bon. Je vais arrêter de parler pendant 30 secondes parce que. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merde de. Bah, de. Bah, de. Peggy 18. Regarde. Mais non, mais. Mais non, mais je l'avais vu en plus, c'est n'importe quoi. Mais il se déclenche plus normalement quand tu te mettais allongé à côté, il se déclenchait. C'est n'importe quoi. Et je viens de me faire troller, c'est n'importe quoi. Waouh, ce jeu a bien changé depuis. Des mises à jour ont été réalisées sur ce jeu. Et des mises à jour ont fait. Foirer. Oui! Oh! Oh ce triple kill! Oh ce triple kill qui était juste magnifique! Oh là là! Je demande quand même un tonnerre d'applaudissements dans l'espace commentaire, même si vous pouvez pas applaudir, faites un semblant, un applaudissement virtuel, c'est-à-dire un applaudissement, quoi. Vous applaudissez dans l'espace commentaire. Je pense que vous saviez de quoi je parle. Oh, ce triple kill, franchement, il était juste magnifique. En plus,
le switch avec l'arme secondaire et tout, on va pas se le cacher, c'était magnifique. Allez, on va tenter de jouer un petit kill au sniper, voilà. En tranquille avec vous, hein. On va faire ça ensemble. Un petit kill. Non! Oh! Pourquoi me lancer un couteau alors que j'étais au sniper? J'avais pris ton sniper en plus. Donc, étant donné qu'on était à armes égales, c'est un peu dégueulasse de sortir le couteau. Voilà. C'est tout. Dégueulasse. Il y a deux potes à moi là-haut. Bon, le premier est là et le deuxième est là. En fait. Et il a pris mon arme, il a changé avec son sniper, il a pris mon arme. Oh l'enfoiré. Alors on va tenter de percer sur B. Ouh, pleine tête, headshot. Aïe. Je savais pas qu'il était aussi près de moi en fait. Je pensais qu'il était plus loin. Bon, j'ai quand même fait mon Pavlo, je fais du 36-15. C'est vrai que je me suis un peu foiré sur, on va dire entre guillemets, cette deuxième partie de gameplay. Parce que la première partie, c'est la partie où j'ai fait... Oh, il a tenté le cut commando. Malheureusement, heureusement, j'ai réussi à l'esquiver par je ne sais quel miracle. Mais en tout cas, j'ai réussi à l'esquiver. Et il est encore avec mon arme celui-là. Hein. Mais ça te dit pas de reprendre le sniper genre juste 30 secondes, non? Ça te tente pas? Je sais pas, t'étais au sniper, tu passes à la mitraillette. C'est pas très logique, donc techniquement tu as des atouts de sniper et pas de mitraillette. Du fusil d'assaut. Vous m'avez compris, hein. Mitraillette, fusil d'assaut, on se comprend. Ouh, lui! Toi avec ton lance-roquette, tu m'as fait gros bobo à la jambe gauche. C'était la gauche. On tente la kill cam, oui! Trouble fait, la kill cam est... Non! Oh merde, c'est Merguez qui a fait la kill cam. Non! Mais non, regardez-moi! Non mais regardez-moi cette kill cam! Merguez 02FR, en plus c'est un français! Mais non, mais regardez-moi cette kill cam qui est légèrement... voilà, vous m'avez compris, je pense. Cette kill cam qui est très... très particulière. Je finis sur un score de 47 à 17 avec... je sais pas, j'ai pas vu combien de captures. On va regarder résumé de partie. Nanana. 42 éliminations, assistance 3, mort 17. C'est quand même un score convenable, on va dire. Pour des parties, pour une partie comme celle-ci. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce petit changement sur MW3 vous aura fait plaisir. J'essaierai d'en faire assez souvent pour vous parce que je pense que vous aimez un peu le changement. Parce que GTA 5, on va pas se le cacher, c'est un peu chiant je pense. Donc voilà, vous lâchez tous vos avis dans l'espace commentaire. Peut-être qu'une prochaine fois j'inviterai des abonnés pour jouer avec moi. Pourquoi pas commenter en même temps avec moi, ça peut être sympa. Et allez, ciao, bye bye tout le monde. Don't stop the body Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.